De prendre la perpétuité. J'ai eu déjà 24 procès dans ma vie. Donc, vous savez, moi je suis très cool, les procès. Donc, on verra. En tout cas, la seule chose où ils ne peuvent pas me condamner, c'est continuer à être député européen. Là, c'est pas possible. Et le fait que tu sois face un petit peu à des choses différentes d'habitude pour un meeting de fin de campagne, où finalement, on parlerait peut-être un petit peu moins d'Europe que dans des meetings un peu plus classiques. Enfin, comment vous le savez? Ben, je sais pas, à vous de nous pas, le dire. Je sais pas, vous êtes vachement intelligent. On va parler, on a l'impression qu'on va beaucoup de parler de Daniel Comnady. Parce que le problème, c'est que dans les meetings classiques, les petits malins journalistes, ils font les musiques comme toujours. Il y avait 15 intervenants. Ouais, ouais. Et à la fin, l'arrière comme plutôt. Toujours, c'était Dany qui a fait comme toujours le même speech. Donc on sait, on connaît. Donc ils ont essayé de faire autre chose. On va voir si ça marche. Qui prend pas de risque ne vit pas. Et avant la fin, des interviews et tout ça, je suis là. Le problème, c'est que la campagne, elle a duré 2 semaines. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la campagne ne commence maintenant, c'est déjà fini. C'est ça le problème. Et pour l'instant, tout le monde découvre, c'est vrai, il y a une élection européenne, il y a une campagne, il y a des conférences. Il y a une idiote pour qui un Français sur 4 vont être. Ça va.